peuple camerounais. J'ai vu tant de miracles dans des grandes églises en Afrique, avec les pasteurs et les prêtres. Et la croyance devient Dieu. Tous les dimanches, nous sommes à l'église pour suivre la parole de Dieu. Les pasteurs nous disent ceci, nous demandent de ne pas causer l'adultère ni le péché. Nous les supprimons au quartier tous les soirs dans l'obscurité, en train de monter et descendre avec les femmes mariées. Après, ils retournent, ils nous disent, ils nous demandent de faire ce qu'ils nous demandent de faire, de ne pas les imiter. Vous avez déjà vu où mes frères, on se cache pour croire en Dieu. Dans les années antérieures, au temps d'Amadoua et tout, certaines églises au Cameroun se cachaient pour croire en Dieu. Monsieur Eladji Oumarou, cette affaire nous a dépassé. Il fut l'année dernière, je suis allé à des funérailles à l'ouest. Le samedi, je suis arrivé. J'ai passé toute la soirée dans l'ambiance, mais je suis habillé. Le lendemain était dimanche. Étant enfant de Dieu, j'ai fait un saut à l'église apostolée. Quand je suis arrivé à l'église, mon corps me demandait de rester à l'église. Mon cœur me demandait de rentrer à la maison à l'instant. Je n'ai pas réfléchi. Je jette coup d'œil dans la salle. Les petits oeillers assis au dernier banc. Mais voilà donc à l'intérieur. 10 minutes après, une Mercedes a levé la poussière devant l'église. Qu'est-ce que je vois? 4 hommes sont sortis en veste noire et poche noire. Ils se sont dirigés à l'église. Les serviteurs de l'église qui restaient auprès de la porte ont pris fuite. Les chapelets qu'ils avaient au cou, ils avaient retiré. Quand ils sont rentrés à l'église, certains se mettaient à genoux sans qu'on ne les demande. C'était le commencement. Le premier messager était armé avec un revolver. Le deuxième messager était armé avec un revolver. Le troisième messager était armé avec une carabine. Le quatrième avait 2 couteaux, plein de couteaux au rein, on l'appelait maître couteau. Le coup d'envoi était donné en perçant le toit de l'église pour prouver aux chrétiens que ce n'était pas les amusements. La première question était posée de savoir vraiment qui croyait en Dieu. La première victime s'est levée, c'était un papa. On a tiré sur lui décédé au Moumoko. Que la deuxième se lève, demande les mercenaires. Comment meurt pour Jésus-Christ? Une femme n'a pas pu supporter, elle s'est levée. On a tiré sur elle décédé au Moumoko. Que la troisième se lève, demande les mercenaires. Une petite fille s'est levée, on a voulu tirer sur elle. Elle a secoué la tête pour s'y refuser qu'elle avait quelque chose à dire, enfin de mourir. Les mercenaires lui ont accordé 2 minutes pour tout parler. La petite fille a parlé. Chez mercenaire, chez grand frère, ce monsieur en sultan noir, il est notre père. Il est l'envoyé de Dieu. C'est lui qui nous rassemble ici. Donc il croit en Dieu jusqu'à il n'y a même pas moyen. Sans hésiter, le pasteur a crié. Womoho Mapa est arrivé à l'église ce dimanche. Jeune petite fille, parle de toi et non de moi. Qui t'a dit que je crois en Dieu? Dieu t'a taxé en consamba. Les policiers et les gendarmes m'ont rendu pauvre. Je me suis retrouvé au village derrière mon grand-père. Tous les jours, matin, midi, soir, je montais, je descendais au papa, oh, moi j'ai faim. Un de ces grands matins, l'idée est descendue du ciel. Mon père m'a dit ceci. Oh mon fils, oh,
Avant d'être taximan, tu as fréquenté. Plonge-toi à l'église, mon fils, je t'en prie. Je me suis plongé à l'église. Je suis devenu ce que je suis. J'ai les joues gonflées, ma voiture est dehors. J'ai les plantations. Grâce à la colonne, mes frères, les dons de Dieu qu'on me donne à l'église tous les dimanches, je me tiens kaba. Donc au fond du cœur, moi je ne crois pas en Dieu. Les mercenaires ont demandé 2 minutes pour sortir. Le pasteur était le premier, il bousculait les chrétiens pour sortir. Vous voyez les églises ici dehors, mes chers amis. C'est pour tourner les affaires et non pour croire en Dieu. Vous voyez un enfant en chemin en train de monter et descendre, distribuer les papiers qu'ils ont créé. Une église, vraie église, est-ce qu'il y avait le vrai Dieu? 2 semaines après, vous reverrez le même garçon en chemin, en train de monter et descendre, ramasser les papiers. On chante qu'il est fou. Vous vous plaignez, vous accusez le bon Dieu. Et pourtant, mes amis, quand sa maman l'a mis au monde, lui-même il a cherché de ses propres droits. Les églises sont plus que les sociétés au Cameroun. Amba wonderful. Vous voyez une maman au quartier, elle parle, elle frappe la poitrine. Que son fils est à l'université. Quand il va finir ses études, il sera procureur ou avocat. Mais un matin, elle est surprise. On ramène son enfant devant elle. Chaîne sur la main, chaîne sur le pied, parce qu'il est fou. Oh église, oh église, oh église, oh. Oh église, oh tu fobla, 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 oh.